Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez vous dire pourquoi Miss Petite Smarties n'a pas sa mascotte. Pourquoi sa mascotte ne présente pas aujourd'hui? C'est tout simplement parce que, en fait, ma mascotte, et ben en fait, je vais vous montrer mes LPS. Du coup, je peux pas la prendre. Sinon, elle est rangée dans un sac avec tous les autres. Donc, là, je vous fais une petite récap. Un petit récap de ce qui s'était dans le parc de jeu. Enfin, je l'appelle comme ça, mais c'est l'arbre à chat. Littlest Pet Shop. Normalement, il s'appelle comme ça. Voilà. Donc, c'est le petit récap. Après. En fait, là, vous voyez, le premier pet shop que je vais vous montrer, c'est celui-là. Et il a une petite histoire. C'est que ce LPS, vous voyez, en fait, il a deux noms. Parce que, en fait, au début, je l'avais appelé Solène. Et après, j'ai mis une araignée attendez. J'enlève le flash parce qu'il se met à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Elle est toute jaune. Jaune un peu comme ce feutre. Avec des yeux violets et tout. Et je me dis, non mais en fait le nom de ce chat européen ne va pas du tout. Je vais l'appeler Joa. Et j'ai appelé là, cette araignée qui vous parle, Solène. Parce que ça lui allait beaucoup mieux. Sinon à la base... Il s'appelait Solène, ce chat. Comme je vous ai montré ce chat, je vais continuer par le chat. Oui, le bac a changé. Là, vous voyez des sacs plastiques. C'est parce que mon hamster est en train de croquer les barreaux. Je ne veux pas l'empêcher. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je le mets dans le couloir. Le truc, c'est que je l'ai mis dans le couloir, mais vous l'entendez quand même. Parce qu'il est derrière ma porte. Bon, voilà. Voilà, donc ce petit sac plastique contient tous les chats. Là, il y a ce PS. Je vais prendre ce petit truc où je vais tenir dans mon portable. Dessus. Je fais comme ça. En fait, ça... le problème c'est que ça marche plus trop. Ça commence à marcher parce que j'ai changé de portable. Il y a un an que ça. Du coup, voilà. Il y a environ maintenant deux. Voilà, donc là, vous avez le pauvre pet shop qui est tout au fond. Voilà. Donc, là, vous voyez tout de la peine à côté. Enfin, vous ne la voyez pas, mais forcément, il y en a une juste à côté de moi. Donc, on va commencer par les G5. Bon. Vous allez vous dire le dernier G5 LPS. C'est un peu... Enfin, le dernier qui est sorti comme ça. Donc là, vous avez 3 LPS. J'ai 4 LPS. J'ai 5. Donc, voilà. Voilà, donc, ceux qui ont des noms, je vais vous dire. Donc, lui, en fait, à la base, il s'appelle Quick. Oui, parce que si vous avez eu toutes la collection des boîtes de conserve LPS, vous avez sûrement ce chat. Et il était déguisé en hamburger. Il m'a fait trop penser à McDonald's ou Quick. Voilà, donc je l'appelais Quick, parce que c'est mon magasin de nourriture préférée, quoi. Voilà. Bon, voilà.
Avant, quand j'étais petite, j'avais un père, un PS Leclerc. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'allais souvent à Leclerc. Ouais. Après, là, on a Violetta. Violetta. C'est ce que je crois, parce que j'ai un carnet avec tous les noms, mais. Mais là, en fait, il est rangé, donc. Dans une autre pièce et tout, donc c'est un peu le bazar. Pour aller le chercher, puisqu'il est dans la pièce. Une autre pièce, du coup, il faut que je tourne et tout, donc voilà. Voilà. Sinon, elle, c'est Violetta. Elle était aussi apaisée par ça aussi. De la série. Bah, Et comment ça s'appelle ça? C'est pas des Lucky Pets, c'est des Angry Pets. Oui, voilà, elle faisait partie des Angry Pets. Ou Firsty, je sais plus trop. Non, eux, c'est Angry. Voilà. Donc là, on fait partie de la collection Firsty Pets. Angry. Désolé. Alors, on va pousser lui. Donc lui, il fait partie de la collection des Angry Pets. Voilà. Avec son petit cœur. Il vient appeler le chat, le repère. D'ailleurs, que je vais voir dans le swap. Le chat, le repère, je sais combien. Lui, ça doit être le numéro. Allez, 15. De la collection des Angry Pets. Des Firsty. Voilà. Là-bas, vous avez. Hop, les Angry. Les normales et les forces. Vous voyez pas tous parce que vous voyez jusqu'à là-bas. Voilà. Sinon, voilà. Et après, vous avez le dernier chat que j'ai vu de ma collection. Non, pas de ma collection, mais de. Des G5 pour le moment. C'est le absolument dernier. Ouais, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. Donc, à cause du confinement et du Covid-19, bah, ils ont un peu arrêté les FPS, donc forcément, il n'y en a pas de nouveaux, ce qui est très dommage. Parce que, bah, voilà, pour les collectionneurs et tout, les magasins, c'est très, très, très embêtant. Voilà. Attendez. Je me range ma lampe parce que vous voyez pas très bien ce que je dis tout à l'heure parce que bah voilà. Attendez, vous avez vu mon câble. Voilà. Donc, je vais éclairer. Oui, vous voyez tout ce qu'il y a là. Alors, par là-bas, vous voyez que je mets la lampe. Par là, voilà, c'est un petit sondage. Enfin, j'en fais des sondages, oui. Avant, là-bas, je le mets juste là. Et vous la voyez, la lampe. Non, il ne faut pas trop vous la voyez. Je vais la mettre là, parce que ça vous fait un gros truc blanc là-bas. Je vais la mettre quand même derrière la carte. Ça va être plus raisonnable parce que oui, je maquille un carton. Oui, voilà. Vous voyez les petites ombres et tout derrière. Donc voilà. Et elle, je l'ai appelée Elsa. Au rapport avec la Reine des Neiges. Elle m'a fait beaucoup penser à la Reine des Neiges. Et surtout à la tenue de Anna dans la Reine des Neiges 1. Sa sœur. Vous devez tous connaître la Reine des Neiges 1 et 2 qui est. Un qui est sorti en 2013 et 2020, l'autre, le. Oui, Reine des Neiges, je dis Disney, oui. Parce que oui, moi quand je dis Reine des Neiges, je me disais la Reine des Neiges, le vrai conte, quoi. Au début, maintenant. Donc après, pour continuer avec les chats européens, oui, il y aura ma mascotte dedans parce que, bah, je sais pas où elle est, justement, soit elle était dedans. Pas trouvé du tout, je sais pas où aller, simplement. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais forcément la retrouver
Du jour au lendemain, je vais la trouver. Voilà. Du coup, on commence avec Madonna. Voilà. Je l'ai appelée comme la chanteuse Madonna. C'est bête que je ne peux pas vous mettre là, l'image. Bon, vous devez certainement connaître. Oui, il y a beaucoup de gens qui la critiquent. Mais moi, c'est. Voilà, je l'aime bien. Donc voilà, je l'ai appelée Madonna. Et aussi, son surnom, c'est Harley. Comme Harley Quinn, parce que je lui ai fait le petit cœur, là. Sur le côté, le petit cœur. Oui, très très bien. Mais voilà. Alors, je la mets juste là. Après, vous voyez Tash. Le célèbre Tash que j'adore. Bien sûr, je n'avais pas tous mes chats parce qu'il y en a chez ma mère. Mais sinon, voilà. Tash. Voilà, ce chat qui est waouh, qui est vraiment super. Voilà, je l'ai appelé comme ça, comme tous les gens qui l'appellent comme ça. Comme elle appelait aussi. Hein. Vous voyez juste moi. Ah, coucou. Voilà. Arrête. On dirait c'est pour vous. Voilà. Mon hamster m'a croqué des barreaux. Après, on va passer un chat de persan. Donc c'est mon seul chat persan. Voilà, j'ai que lui. Vous voyez que le blanc, c'est trop, j'aime bien se dégrader. Tout le dégradé sur les pet-shops, ça compte. Et tout, donc j'adore. J'adore. Voilà, je le mets là, il n'y a pas de trop de particularité. Et oui, je l'ai appelé Vanille. Si vous vous êtes trop rappelé à la vanille. Ah oui, vous voulez pas. Mes pauvres chouchous. En fait, je frise jusqu'à là-bas. Est-ce que vous voyez bien? Attendez. Non. J'éclaire un peu plus. Puis je vais le mettre par là-bas. Parce qu'il y a juste la lumière qui dérange. Voilà, sinon, après, c'est un chat custom que j'ai fait comme ça. Vous voyez pas le crayon parce que c'est faux crayon. Voilà. Après, je l'ai appelé Mascara. Non, Sephora. Parce que il me faisait trop rappeler au magasin de maquillage. Là, on a deux match-up qui viennent des magazines. Désolée, je vous ai dit qu'il y avait les derniers chats. Non, c'est celui-là, le dernier chat. DG5. Voilà. Et puis après, nous avons Jade de la série. Little Lies Pet Shop. J'aime bien cette série, je suis un peu leurs épisodes, mais voilà. Après, on a un chat. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Bonus Pet. Voilà, donc en fait, vous voyez qu'on fait ça là, il tire la langue, il bouge la patte. Voilà, c'est un petit truc comme ça, un peu électronique. Et après, nous avons ce chat de gouttière, bien sûr, j'ai des autres chats de gouttière chez ma mère, ils sont restés chez ma mère. Du coup, voilà. Sinon, j'en ai d'autres. Donc, j'ai le chat, oui, Fluo. Je peux pas vous mettre en image là. Mais voilà. Et après, nous avons le dernier chat. C'est celui-là. Voilà. Donc après, nous allons passer au chien. Il y en a plus. Déjà, vous voyez le sac. Et comment il est plus gros que celui de tout à l'heure. Et je vais la vider devant vous. Peut-être qu'il y en a qui ne croient pas. Tous ces chiens. J'en ai encore chez ma mère. Donc, c'est pas évident que ça sorte. Il me reste un ou deux à chaque fois, mais je sais pas. Oui, voilà tout ce qu'il y a. C'est voilà. C'est hallucinant. Bon, on va commencer par les bichops. Les plus un peu ratés pour moi.
Donc je ne sais pas vraiment si c'est des pet shops ou pas. Mais je vais quand même vous énumérer. Nous commençons par cela. Bon, en fait, ce n'est pas des pet shops. Je viens de me renseigner, en fait, sur le téléphone de mon père. Voilà. Ok. Voilà. Après, bon, voilà, c'est celui-là. Donc, j'étais un peu bloquée. J'aurais tellement aimé les avoir en vrai pet shop. Si vous voulez avoir des reproductions comme ça, vous en cherchez, bah, allez à Auchan. Voilà. C'est le seul endroit où vous pouvez en trouver ou à Intermarché. Voilà. Donc, c'est des défauts. C'est des faux pet shop. Oui, désolé, Asbro. Désolé, et oui, il manque lui. Et lui. Oui, je l'ai customisé, oui. Hop, après, on va passer au vrai pet shop quand même. C'est ce chiot. Ouais, je l'ai mis là comme ça. Celui-là. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous les montrer deux par deux. Ça va aller plus vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là, donc, je les ai pris les deux. C'est celui avec les poils et celui sans. Donc, celui avec sans les poils, il est plus rare. Simplement. Donc, après, là, vous voyez, de l'espèce, un custom. Voilà. Et voilà. Donc, ces deux-là. Ces deux-là. Alors, là, j'en prends quatre. Voilà, parce que bah, j'aime bien. Voilà, donc vous voyez qu'il y a eux. C'est pas très facile de les prendre. Les quatre. Mais là, je peux y arriver. Voilà. Oui, c'est très compliqué de prendre les quatre. Si vous voulez le faire, je ne vous conseille pas de le faire. Enfin, si vous m'écoutez, d'accord. Ah oui, vous pouvez faire comme ça, regardez. Ces trois-là. Et ceux-là. Ces deux-là. Et eux. Voilà. Bon, en fait, je vais les mettre dans un sac. Vous voyez, c'est extrêmement grand. Qui est juste là. Voilà. Donc, je vais les mettre dedans. Parce que vous voyez pas la quantité qu'il y a. Oui, vous voyez mes mains, oui. Vous voyez pas parce que j'en ai encore dans un autre bac. Je peux pas vous montrer parce que c'est un. Je suis en train de les vendre. Donc, ça compte plus pour ma collection. C'est plus à moi, c'est. Voilà. Ça appartient plus à moi, c'est. C'est des petits shops qui appartenaient pour moi avant, mais plus maintenant, puisque je les vends. Forcément, ils vont être vendus. Et donc, désolé les chats, je vais vous mettre après les petites bouilles. Parce que moi, les chats, vous savez bien que c'est l'animal. Mon animal préféré. Donc là, je vais vous mettre tous les petits shops qui ne font pas partie. Enfin, ils font partie de la collection des trucs. Mais ils ne vont pas partir des chiens. Ni des chiens. C'est tout. Les autres races, les singes et tout, les araignées, les lapins. Bon, là, on a juste un chien que je viens d'oublier. Voilà, j'étais encore dans le sac plastique. Sinon, après, nous allons passer aux singes. Je vous montre pas par race. Vous pouvez avoir un singe début, un singe lapin. C'est normal, c'est le bac. Oui, il y en a. Tous les LPS. Donc il y a celui-là. Et eux deux. Voilà. Qui font partie de ceux que j'avais oubliés. Pendant très longtemps.
très très beaucoup. Et là, je vais pas vous mentir, mais il y a au moins 3 kilos de LPS. C'est hallucinant. Je vous mets ça là. Regardez, là vous voyez vraiment, c'est inadmissible. C'est le plus de podium qui vous avez vu jeudi. Bon, quand même, mais si j'étale tout, ça fait ça. J'en ai 475. Oui, ça vous étonnez, mais oui. Oui, je joue depuis 3 ans. J'ai bientôt 8 ans. Bientôt 10 ans, donc. Oui, ça fait beaucoup de FPS. Bon, après, je vais vous les présenter comme ça. Ou au pire, j'installe tout et je vous montre. Comme ça. Donc. Je vais tout installer. C'est parti. Donc, alors, je vais mettre tout par là-bas. Et je vais tous les prendre. Et vous les mettre juste là. Désolée si des fois je parle et que je siffle en même temps. Je sais pas si ça vous le fait à vous. Mais moi, ça me fait tout le temps. Dans toutes les vidéos, il y a au moins une minute où je parle et en fait, je siffle. Regardez. Bon, bah. Ouais. C'est hallucinant. Je sais pas, j'ai un problème. Je peux pas m'arrêter de siffler. Ah oui, c'est les lunettes de cette girafe. Désolée. Je vais mettre ça comme ça. Là, vous voyez un peu. Ça rend déjà quelque chose. Coucou. C'est moi. Parce qu'il y en a qui m'imaginaient blonde. Aucun moment je dis que j'étais blonde. Je sais pas pourquoi ils m'imaginent. Une fois, il y en a une. Elle m'a dit, je t'imagine rousse. Je lui ai dit, what the fake. Et quand elle a fait un duo avec moi, simplement pour un swap, dessin. Je vous ai pas montré les dessins parce que j'avais pas encore ma chaîne. Mais il m'a dit, waouh. C'est un abonné d'Instagram. J'ai Instagram et pas YouTube. Elle m'a dit waouh, t'es pas rousse comme je le pensais. Et je me dis dans ma tête, non mais la fille elle est cinglée quoi. Elle m'imagine rousse. Et en fait elle me disait qu'elle avait regardé plein de vidéos de moi. Et en fait, bah, pas du tout en fait. Parce que bah, la plupart des vidéos je ne montre pas. Mais elle m'a dit qu'elle a vu toutes les vidéos. Et forcément, dans une des vidéos sur Instagram, je me montre bien. Oui. On est tous d'accord. Hein. Je parle dans les directs et tout en bas. Et elle me dit qu'elle ne voit pas mon visage. Mais elle est folle. Hein. Elle me voit mon visage. Elle croyait que c'était une perruque. Elle croyait que c'était une perruque. Et alors que c'est mes vrais cheveux. Voilà, quand je lui ai dit ça. Elle n'y croyait plus à la fin. Voilà, donc c'est hallucinant. Les gens qui peuvent me croire comme ça. Bah, ceux qui me croient d'une autre couleur de cheveux. Ah, regardez. C'est mes cheveux, ça. Je vais à l'école. Hein. Pourquoi je mettrais une perruque? Vraiment. À part si mes copains me défient de mettre une perruque. D'accord. Mais pourquoi je mettrais une perruque? Sincèrement, pourquoi vous me disiez dans les commentaires si les commentaires sont activés, parce que des fois ils ne sont pas activés, je crois, et que je ne le veux pas. Et est-ce que vous avez déjà imaginé, est-ce que j'étais blonde ou rousse ou quelque chose comme ça? Voilà, donc je veux savoir. Comme ça, si vous ne voyez pas cette vidéo, bah, je vous ferai un petit direct. Et vous verrez mon visage sur Instagram. Peut-être, hein, si vous me demandez, je en ferai un. De toute façon, je fais tout le temps des directs. Voilà, donc quand j'ai la possibilité de faire un direct, je le fais. Quand j'ai pas la possibilité, bah, je le fais pas. Parce que je peux pas le faire. Non, désolé, il y a un chat. Je vous ai montré mes bons militaires. Rentrer dans le tas.
Je vais mettre aussi les chats. Comme ça. Même si vous les avez déjà vus, c'est pas très grave. Bon, il y aura un chat. Merci. Que je sais pas, je l'avais oublié ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ça prend déjà forme. Comme vous pouvez le voir. Ah oui, j'ai fait du boulot. Et la vidéo va durer 50 minutes. C'est obligé au moins. Coucou. Je suis le chat. Comme ça. Vous voyez que c'est pas des bêtises, c'est pas une perruque. Oui, ce n'est pas une perruque, oui. Parce que tous ceux qui pensaient que c'était une perruque, non mais vous êtes même en 5. Enfin, ceux qui sont mes abonnés, voilà. Mais ceux qui pensaient sincèrement vraiment que c'était une perruque, qui critiquaient et tout, mais vous êtes 5. Oui, vous me voyez. Donc, attendez. Parce que oui, je suis debout. Depuis tout à l'heure, je me penche. Je peux pas me mettre assis. Je vais me mettre assis quand même. Oui, j'ai Instagram. Oui, j'ai Instagram. Voilà. Oui, la dernière fois, vous avez entendu ma soeur dans un direct. Si vous avez vu, vous l'avez bien entendu. Et crier et hurler, où il n'y avait pas trop de personnes dessus, mais si vous étiez dessus, likez cette vidéo et partagez-la à un ami ou à votre maman ou à votre papa si vous avez la possibilité de la partager. Puisque des fois vos parents, j'imagine qu'ils ne sont pas sur internet. Donc, ils n'ont pas de compte. Voilà, donc vous ne pouvez pas. Mais moi, mon père, il a tout. Hein. Il a Facebook, Messenger. Il a tout. Moi aussi, j'ai tout. Il a même Twitter. J'ai pas Twitter, par contre, parce que j'aime pas cette application. Et voilà, donc j'aime pas. C'est inutile. Ça prend vachement plus de place. Ça prend autant de place que votre téléphone soit en une heure chargé. Quoi. Ça prend autant de place et en plus il y a beaucoup de monde. Donc vous pouvez une fois sur le dos le télécharger. C'est waouh. C'est. Figurez-vous que c'est waouh. C'est très waouh. C'est bizarre. Quoi. Je sais pas pourquoi. Bon, en fait, elle dure une éternité, ça dit. Je vais aller plus vite quand même. Sans vous montrer les choses que je fais, ça a quand même produit quelque chose pour l'instant. Voilà, j'ai tout terminé. Donc, je vous laisse voir un peu le rendu. À vous. Voilà, donc je vais vous passer tous les LPS. Chacun comme ça. Vous voyez, par ligne, qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc, voilà. Je posterai une vidéo sur TikTok, une photo sur Insta et sur Facebook. Voilà.